bienvenue dans une nouvelle vidéo qui reste dans le thème Action versus le reste du monde. J'aime beaucoup tester les choses chez Action par rapport à d'autres marques. Et là, on va tester les mouchoirs de Kleenex qui sont vendus chez Action, qui de toi à moi, je trouve, mais tellement pourris. Et ça tombe bien, j'ai un rhume, donc il faut les tester maintenant. Franchement, je les trouve super fins, super effets, relous. Honnêtement, si vous êtes une maman, et souvent, je sais, oui, bah, parce que les enfants sont rhumés, ne donnez pas, voilà, la maîtresse et Kleenex classe, parce qu'il t'en faut 3, limite 2, bah, pour pouvoir... d'utiliser correctement sous un gros rhume et tout, c'est juste une horreur, voilà, bref. Et en contrepartie, on va tester les mouchoirs d'EcoPlus, les mouchoirs qui font 150 feuilles, voilà. On va voir ce que ça va donner, et là-dedans, t'en as combien? Je pense qu'il y en a carrément moins, quoi. Après, celui-là vaut un petit peu moins cher en plus, je sais pas combien c'est marqué, et donc c'est parti pour le crash test. Alors pour les deux, tu as deux épaisseurs à chaque fois, et ouais, je pense que dans celui-là, t'en as carrément moins. Mais de toi, moi, je vais pas m'amuser à les compter. Alors ceux-là, c'est de la marque Kleenex, fabriqué je ne sais pas où. Enfin non, ça c'est le service consommateur, parce que des fois, on a eu ça avec mon frère, qu'on a fait un crash test, bah, y avait des choses qui ressemblaient, et il y a des choses aussi qui existent, qui sont fabriquées exactement au même endroit. Ça c'est Ivry-sur-Seine, qu'est-ce qu'il y a Ivry-sur-Seine, le roi Merlin d'Ivry-sur-Seine, j'y suis allée il n'y a pas très longtemps. Donc on ouvre ceux de chez Action, les deux ont exact... Ah non, on ouvre ceux d'EcoPlus. Hop là. Les deux n'ont pas la même ouverture, bah non, grosse ouverture, petite ouverture, ok. Ceux de chez... Après, je vais vous faire le test de l'eau, pour voir si ça absorbe bien, ok. Là, on va faire le test de la résistance. Alors, j'en ai pris un, double épaisseur, bah heureusement qu'il n'y en a pas 14, hein. Voilà, le Kleenex. Là, je te le dis, Mireille, je sais pas si tu l'as déjà... Dis-moi ce que tu penses de ce produit, mais je sais pas si tu l'as déjà acheté, mais c'est là, c'est fin. C'est fin de ouf, je déteste ces mouchoirs-là. Je les achète vraiment quand j'ai que ça. Et là, c'est une... je sais pas à quoi ça sert, ça, la petite truc, là. Pour éviter, pour vraiment quand t'en prennes un à chaque fois. Alors, du coup, EcoPlus, qu'est-ce que ça donne? Le premier, c'est toujours compliqué à prendre. Hein. Le premier est toujours relou. Le premier, voilà, tu le... Ouais, ça a l'air d'être de la merde aussi. On va prendre le deuxième. Hein. Voilà, le deuxième. Bah, c'est le même combat, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire, c'est le même combat, hein. C'est le même... le test de lequel arrive à moi en premier. J'ai envie de te dire, l'EcoPlus, il vole un petit peu plus. Non, c'est le même délire. Au niveau de la douceur, celui d'EcoPlus est plus doux. Celui de Kleenex, la vidéo chelou. Là, celui de Kleenex, j'ai envie de te dire qu'il est un petit peu râpeux, tu vois. Si des collègues de bureau tombent sur cette vidéo, ils vont se dire, mais elle est complètement tarée, celle-là. Ouais, voilà. C'est le même délire. C'est le même délire. Ils sont aussi fins, les deux. Donc, moi, personnellement... Attendez, on va tester. On va tester en direct. Hein. Je déteste quand on me voit moucher. Ok, moi, à chaque fois, les mouchoirs, je les double. Déjà, je les double. Ah, celui-là, il fait mal au pif. Il fait mal au pif, celui-là. Le suat chez Kleenex. Oh non, mais je préfère carrément EcoPlus. Hein. Je pensais pas. J'aurais pas pensé que celui de chez... Trouver... Ouais, comme quoi, c'est, je me suis dit, entre EcoPlus et Kleenex, c'est quand même Kleenex qui va gagner. Kleenex, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu la base. Mais non, au niveau du pif, prend carrément des EcoPlus, même si c'est pas une résistance de ouf. Non, c'est... Mais là, ça se voit. Enfin, je sais même pas si ça se voit, mais... Tu vois que celui-là, il est plus... il est un chouille plus épais. Et tu vois qu'il est un peu plus doux. Je sais pas si ça se voit du tout. Hein. Mais non, pour les... Si tu dois choisir entre la peste et le choléra... Non, je rigole. Mais c'est vrai que quand t'achètes les Kleenex de ouf, nanana, qui résistent à ton mec, là, s'il laisse les papiers dans ses poches à la machine à laver et que ça fait pas de... Ça fait pas de trucs horribles, ça, c'est bien aussi. Mais si tu dois choisir entre ça et ça... Arrête d'acheter les Kleenex de chez Action et donne pas ça à la maîtresse, elle va te détester. Et elle va le faire savoir à ton enfant. Mais non, achète les EcoPlus parce que ouais, ils sont carrément mieux. On va faire le test de l'absorption. C'est-à-dire que je vais mettre dans un petit récipient de l'eau et puis on va voir lequel absorbe le plus. Mais franchement, celui-là est carrément mieux. Alors, dans celui de chez EcoPlus, ils te disent 100% pure watt et cellulose. Et dans celui de Kleenex, on te dit quoi?
Hop, c'est juste marqué là. On te dit tissu, on te dit tissu, mouchoir, et on te dit rien du tout, on te dit même pas avec quoi tu te mouches le nez, avec quoi tu mouches le nez de tes enfants. Non, t'as juste un service consommateur. Un jour, j'appellerai. Oui, vos mouchoirs, ils sont vraiment pourris, comment ça se fait? Comment c'est possible de vendre des mouchoirs aussi pourris que ça? Mais non, 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 allez, on achète d'acheter ça, on fait la révolution, on envoie des messages à Action en disant c'est pas possible, parce que je te le dis, quand tu prends, moi j'en prends toujours deux. J'en prends toujours deux, sinon ça reste compliqué. Hop, prends Eco Plus. Les gars, j'espère que cette vidéo chelou vous a plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Je fais pas des contenus aussi chelous tout le temps. Et puis à regarder cette vidéo-là, juste là, un host crash test des familles. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à chaque fois, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.